À proximité de la réserve naturelle du Vogelsang, des espaces de terre prêts à être cultivés. Là, il y a de la salade frisée, plusieurs types de salades. On a de l'autre côté aussi des haricots. Joy est architecte de formation. Il y a quelques mois, elle a décidé de troquer son bureau contre ce terrain où elle apprend le métier de maraîchère. C'est une thématique très importante où c'est aussi relié à notre quotidien. Je pense que c'est important qu'on connaisse travailler la terre et de connaître les plantes. Et pour connaître toutes les techniques du métier, de la production à la vente, elle peut compter sur l'aide de vrais maraîchers. C'est ma passion, c'est vraiment la transmission de toutes mes connaissances, pour peu que ça les intéresse. Des fois, ça ne les intéresse pas tous, donc il faut arriver à les entraîner dans un cycle de formation tous ensemble. Une expérience rendue possible grâce au projet Beautiful. Ils sont 10 travailleurs à avoir reçu un contrat d'insertion. Objectif, créer de l'emploi dans les secteurs de l'agriculture urbaine et de l'alimentation durable. C'est aussi former des personnes qui sont soit demandeuses d'emploi, soit bénéficiaires des CPS, au métier de maraîcher et de pépiniériste et d'éco-jardinier, en leur fournissant des contrats de travail de 1 à 2 ans selon les conditions. Au total, près de 1400 postes supplémentaires sont disponibles dans la production agricole urbaine à Bruxelles, un secteur en pleine évolution. Autre enjeu du projet, rendre l'alimentation bio accessible à tous. On sait bien qu'aujourd'hui, la plupart des Bruxellois dépensent 2/3 de leurs ressources dans leur loyer. Et donc, la première source d'économie aujourd'hui, c'est l'alimentation. Mais l'espace agricole reste rare à Bruxelles. Il a été évalué à 268 hectares et seuls 2% de cette surface serait consacrée au bio.